Monsieur Diallo Boubacar Sidi. Je suis chef de projet au niveau de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que ces femmes sont à la base des jeunes entrepreneurs qui créent des produits, qui créent des services pour les vendre. Donc l'objectif, c'est de les pousser à utiliser ces outils digitaux, à savoir WhatsApp Business, Canva et Facebook pour booster leurs entreprises. Alors, je suis El Hajba, le fondateur et le gérant de l'entreprise Suite, une agence digitale. Le premier objectif a été d'abord d'introduire ces dames, entrepreneurs ou pas forcément, en tout cas qui travaillent au métier du numérique. Il était important de leur faire découvrir c'est quoi d'abord l'informatique, c'est quoi le numérique de façon globale, c'est quoi Internet. L'objectif, c'est le renforcement de capacité à l'usage du numérique. Aujourd'hui, chacune de ces dames va bénéficier d'une tablette, de carte Visa Orange, comme on l'a dit, de Orange Money, comme on l'a dit. Ce sont des choses qu'elles peuvent réutiliser pour booster leur business. Avec Internet, elles peuvent avoir accès à tout, sans oublier qu'elles auront une connexion Internet qui est offerte mensuellement pendant 6 mois. La gérante de l'entreprise Kakuma Agrotech. Les femmes en ont besoin, vu qu'elles sont dans l'entrepreneuriat, elles ont des difficultés à pouvoir cerner certains paramètres du numérique. Et aujourd'hui, voilà l'initiative qui vient à point nommé pour résoudre ces problèmes. L'état civil et l'héritière sur les réseaux sociaux. Je dis que cette formation a été très bénéfique parce que nous avons appris vraiment des méthodes et des techniques qui nous permettent d'utiliser le digital aujourd'hui comme ça se voit, même si avant on le connaissait, mais aujourd'hui on sait vraiment comment faire face aux nouveaux défis qui nous attendent.